Ok, cher entrepreneur, une des choses les plus difficiles pour un businessman ou un leader, c'est de savoir prendre des bonnes décisions. Et je crois que c'est là où tout le monde reste cloué, parce que tu sais à un moment déterminé qu'il y a des choses que tu dois faire pour avancer et il y a des choses que tu dois faire pour continuer à évoluer. Il y a des personnes qui sont avec toi, qui t'aident à arriver là où tu es aujourd'hui, et il y a des entrepreneuriats qui t'ont aidé à initier dans le business. Mais à un moment déterminé, je pense que la croissance, c'est quelque chose que tu dois commencer à voir. Si tu veux aller là où tu n'as jamais été, tu dois peut-être être entouré de personnes qui ne sont pas là autour de toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire de différent? C'est mieux d'être dans ta zone de confort, mais c'est aussi mieux de voir et d'aller rencontrer ces nouvelles personnes avec ces nouvelles stratégies. Créons des nouvelles bases avec nos business. Essayons de laisser derrière les choses qui ne fonctionnent plus. Pourquoi on ne veut pas les laisser? Parce qu'on se trouve attaché à ces personnes-là émotionnellement. Okay? Mais à partir de maintenant, je crois qu'il faut que tu fasses une différence. Ces gens t'ont aidé pour être là où tu es. C'est très bien. Mais quand on grandit, il y a des gens qui ne pourront plus grandir avec toi parce qu'ils n'ont pas la même capacité, parce qu'ils n'ont pas la même volonté, parce qu'ils n'ont pas le même besoin. C'est à toi de choisir exactement où tu veux arriver. Mais je crois que tu as les capacités de faire de quelque chose de plus grand, d'aller plus loin et d'être une compagnie, un leader du 21e siècle. Donc, on attaque. Bonne journée les gars et succès.